La société comment nous y est content pour la veine jeudi à une nouvelle émission sur mes sacs nouvelles blessé faut pas une nouvelle j'ai toujours dit depuis que mon maman d'elle c'est occasion pour nous venir parler et pour nous analyser ça qui gagne comme information pays d'Haïti Port-au-Prince dans région métropolitaine Port-au-Prince ça qu'on est en jeune intention je n'ai quitté jeudi 29 février 2024 là mes amis baba nous menti pas mandé me causer en pile courir en pile laisser frapper dans niveau Badelma aviation cité soleil champ de masse en bas la ville et selon l'information que mes confrères et consœurs dans la voie d'Amérique ont relayé t'a gagné pour pipiti une quinzaine de monde qui prend balle pendant journée tension va panique ça qui développé dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Nan. Ça, c'est clair, une quinzaine de monde. Et parmi quinzaine de monde, il y a un policier, Jean-Claude Kelito, qui dit dans l'émission de la journée, qui recevait balle pendant la journée dans la zone à l'aéroport zone 3 mai. Et policier, ça, sur l'information que j'ai gagné, monsieur a recevé 3 balles. Une dans dol, une dans rein et une dans l'autre partie en dedans. Comme monsieur. Ça dit qu'il était très critique. Mais ça va en rien. Ça qui attire l'attention, c'est que c'est là que, pendant même jour 29 février, ça, Jimmy Cherizé dit barbecue. Libre porte-parole Genève en famille et alliés. Libre parler avec la presse pour le revendiquer ça qui passe. Hein. Et pour le dire, c'est eux-mêmes et l'équipe qui est illégale dans le monde qui derrière ça qui passe. Hein. Et a exigé démission Ariel Henry. Je reviens avec détail sur ça toujours. Désir venez avec moi. Et nous allons inviter avec nous que nous allons causer problème pays. Désir Venez, comment est-ce que vous faites? Nous là, nous continuons à être mobilisés pour permettre que les amis internautes tombent sur la nouvelle de l'info, quand les nouvelles et tous les médias qui connectent sur la nouvelle, j'ai une information dans le bâtiment qui permet que les amis internautes connaissent ce qui passe dans le pays d'Haïti, qui côté pour mettre les pieds. Donc, aujourd'hui, la situation de situation a vint 4 fois plus compliquée dans le pays d'Haïti, surtout avec les questions d'armes qui passent sans chanter dans différents coins dans le pays. Tant que journée ailleurs, quand on pense qu'on est une journée de panique, quand les gens ont couru par-ci par-là, tant qu'on le compte tout le temps, c'est véritable panique dans la capitale pays. Pendant PM de facto Ariel Henry, pas dans le pays, en pile dans l'acteur, tu déclaré DDN, DODONET, et en pile monde qui n'a politique dans le pays, en pile secteur organisé, en pile parti politique, ouais, c'est une insulte, les Ariel Henry décide de dire, c'est jusqu'à. Et 31 août 2025, Cap Vini, l'a organisé élection en dedans pays en 2026 pour remettre pouvoir l'expédition. Bon, c'est que nous allons regarder ça, mais avant même, on s'allait qui examine rapidement des Ivenes. Laissez-moi ça, les Ginette Gistin. M'a demandé vite à Fonti s'ouvrir pour moi. M'a salué Ginette Gistin, m'a salué et Luckner Rélie. Et Luckner Rélie, pour nous dire bien, Luckner Rélie qui m'a salué mon frère. Laissez-moi ça, les tout Nancy Lotio qui m'a salué. Gé en même temps tout là, et mes gapils amis Marie Jasmin, Marie Zana Xavier. Gé lui, M. lui qui m'a salué et User qui en pile. En même temps tout, gagne la Déborah lui, que moins salié dans nom avec des Ivenes. Gagne Libonet que nous salié, mettez sous exactement Ketli et Jean que nous, Jean-Louis que nous salié, et sans oublier que Rose Delirma, Rose Delirma que nous salié. Des Ivenes, bah, on est sur quelques amis à saluer rapidement avant que nous-mêmes nous venions avec invité pour jeudi à l'émission ça. Très bien, Blaise, nous saluons Marlène Jonas qui est toujours branché. Nous saluons l'ami, mon brin, qui est toujours à contour. Nous saluons Louis-Jeanne Banadette qui est toujours branché. Nous saluons Tony Ouga. Nous saluons Aniso et Charles qui est toujours branché. Nous saluons Florest Poleus qui est toujours à garder. Nous saluons Guiland Civil. Nous te remercions pile parce que vous faites choix. Mais cette nouvelle, Blaise Info, pour une nouvelle, pour vous informer sur tout ça qui a passé en l'île de pays. Nous comptons avec vous. Même Jean nous saluons Jenny Baptiste qui parle avec nous, qui toujours partage l'œuvre là avec nous. Nous tournons l'œuvre là-bas. Jean nous dit l'ange, situation, tension, va panique à régner pendant toute journée, jeudi 29 février, dans la capitale haïtienne, non, à quelle zone qui environne l'yo. Et après, on a demandé ça, qu'a passé ça, que t'es gagné. Mais finalement, mais barbecue palais, il dit clairement que c'est au même chez les enfants et alliés, GPEP, et tout le qui est des amis légales, non, mais qui est derrière sa criveillon, et il dit clairement, c'est vous, Ariel Henry, allez, et c'est au clair sous ça. Et il demandait avec Mounio, les yo, ouais, n'est qui des amis illégales, non, mais dans la rien, y'a pas besoin de paix, y'a pas besoin de courir parce que n'est pas tiré sur yo. T'as bien, oui. Barbecue dit,
Et puis mon yon qui des amis légal, pas besoin de coup, pas besoin de paix. Parce que nex va pas tirer sur parce que yo a bataille pour capoter Ariel Henry, capoter système ça. Mais question m'a posé, les nex ça aussi yo, t'entends bien oui? Si yo ta fin capoter Ariel Henry, si yo ta fin jeter Ariel Henry, qui est ce qu'on mette au pouvoir? Ça c'est question m'a posé. Qui est ce qu'on mette dans tes pays? Parce que faut nous poser clair. Est-ce que c'est Babé qui va prendre tes pays? Qui est ce qu'on mette qui va prendre tes pays? C'est la question m'a posé. Et invitez-nous matin, hein? Et camarade, comment est-ce que c'est l'esca généralisé en forme? C'est l'esca généralisé? Moi, salue Blaise, moi, salue Désir Vénès, qui vient saluer tous les fidèles auditeurs de cette émission. Ça. Et moi, je suis content ensemble avec vous, malgré la situation difficile, pays à traverser. Et vous recevez très bien. Et CG, ça pour moi, côté, la communication passe très bien. Et comme acteur politique, j'en dis la mise en contexte. Ça pour moi, Ariel Henry en Haïti. Mais nous avons sous cas Ariel Henry après. Mais comment comprendre la situation qui était développée dans le pays pour jeudi 29 février? Et qui ça ou même ou gagne comme information en plus de ça? Et l'autre des déclarations barbecue tout, qui dit que c'est eux même qui des mouvements ça. Et il y a jeté Ariel Henry. Qui ça dit d'abord? Bon, premièrement, et ma connaissance, si moi, capable et permettre que nous saluer ensemble fidèles auditeurs, auditrices qui toujours tant des choses, dans New York et dans le Canada, et qui toujours été connectés ensemble avec et gauche ça. Qui t'aimerait rappeler nous que ça qui passe pour tout près jeudi, c'est un événement inédit parmi tout événement qu'on a habitué passer, puisque et tout le monde est connaît que, premièrement, et docteur Ariel Henry a bien pour quitter pouvoir, a bien pour quitter pays a et libéral caché et au Kenya sous base que monsieur pral gagner pour l'alsien un accord et pour faire venir force internationale là et ben et qui s'est passé c'est que c'est rete nous rete jodi a et ben puisque et pas gagner l'école qui pas l'école pas déjà ouvert depuis quelque temps gagner quelques petits manœuvres qui t'a essayé fait pour gagner l'école jodi a. Eh bien, coup de balle fait mi-calao dans toute capitale haïtienne, dans tout cœur Port-au-Prince là. Et quoi, j'en image, j'en vis, j'en nous côté nous y a. Et j'en auditeur, auditrice, et chose ça à suivre et image. Yo. Donc, c'est coup de balle qui fait mi-calao. Et c'est groupe armé qui revendique. Et nous-mêmes, nous pas gagné trop bagay nous qu'a dit comme information, puisque tout le monde connaît réellement qui est-ce qui animé groupe armé, yo, qui est-ce qui approvisionner eux, qu'est-ce qui va au moyen, et d'ailleurs, nous songer pour qu'on gagne un mois là, depuis qu'on kembe trois machines officielles qui ont sorti sous Bel Air, avec matériel et munitions la donnée. Donc, moi-même, je pense que ça passe jeudi, hein, et oui, barbecue est revendiqué, mais le gouvernement est revendiqué tout parce qu'il n'y a pas de différence entre groupe armé et gouvernement. Et ça fait nous-mêmes dans le chemin de délivrance. Nous pas parler de gang armé encore, nous presque parler, nous plutôt parler de gang officiel, parce que gang yo à la solde de monde qui prend l'État en otage, yo à la solde de monde qui décide qu'il fait d'appuyer sous l'État à partir de 7 février 2024 là. Mais quand même, c'est vrai, autant de groupes armés qui fait, qui revendiquent action ça, et ou pas que trop d'états, je ne dis vraiment par rapport avec un niveau violence, tension qui est créé pour jeudi 29 février, c'est vrai. Mais qu'on y a l'autant de, une déclaration de barbecue, papa, Genève, en famille et allié, et qui dit que ça qu'a fait là, il y a une question de Genève, mais c'est tout nek qui dans la coalition vivant ensemble, qui tombe d'accord pour capable faire mouvement ça, et pour capoter Ariel Henry. Et ça, ça joue comme si que de nek qui gizam illégal, dans le média fait des mouvements pour jeter au premier ministre. Est-ce qu'on croit qu'il y a jeté pouvoir? Bon, c'est une question que je pose avec vous-même. Et jeter dans tout ce qui est sur le métier, selon vous-même. Mais est-ce que c'est même je pouvoir, même pas le pouvoir, et même je pouvoir qu'a fait là? Et à nous parler quoi de monde qui est censé, puisque Descartes considérait la raison comme étant le bon sens et en utiliser. Bon sens, donc on garde même que on dit bon. C'est pas pour la première fois de groupes illégaux, de groupes armés décidés font bataille et que ils prennent pouvoir, ils ont instauré l'audio, ça a compris de gouvernance. Puisque, on est d'accord avec moi, bataille qui était faite en 1991 à 94 au Rwanda, c'est deux affrontements de deux groupes armés qui ont même été
idéologiquement fondé sous façon de comprendre pour diriger et ça prend le solde par Otisio qui prend pouvoir avec l'équipe de Kagame et je vous dis à là, il a transformé gangla en démocratie, en bagaille sociale, en bagaille civile. C'est-à-dire que groupe ça a décidé que gang a décidé que vu puissance yo, vu capacité yo, il y a investi pour le pouvoir et loi a imposé moun loi ou principe. Le ça pas bon bagaille qui mauvais dans ça parce que on habitué ouais ça déjà. Mais cependant nous pas voulait écarter opinion deux amis de camarades ou de citoyens qui a regardé nan lunette pa yo pou ta wè yo essayer comprendre rapport et toi qui développé entre gouvernement et groupe armé yo c'est nan objectif pour yo kap faciliter que eh ben y a des bagages qui fait là par exemple Galbaou et gouvernement dénoncé et pral gagner et groupe et Kenyan yo après les forces multinationales là débarqué dans le pays là au premier trimestre de l'année 2024 et dans moment on a parlé ensemble avec vous là non au 29 février 2024 c'est-à-dire était seulement un mois pour et pour le trimestre là fini alors ce que pas rien qui qu'on rentrer pas gain logistique pas gain un et l'un des éléments très important l'argent qui considéré comme étant le nerf de la guerre. Il a été mobilisé 600 millions de dollars pour que il soit capable de faire force là capable de travail et même jusqu'à où on a parlé avec un pièce pour un pièce pour péniche haïtien qui qu'on ramasse. Donc même si tu es un soldat, même si tu es un ensemble de bagages depuis pas gain l'argent, il pas mobiliser mon, il pas déployer. Tout ceci c'est pour moi dire que et ben sans compter questionnement qu'a fait sur l'égalité et légitimité à Ariel Henry pour être capable pour certains pays, t'as capable d'engager nos aventures comme ça, que on parle de matin pour le fini mal, et puis pour l'histoire de l'humanité, al et juger comme monde qui dépend engagement avec un nèg qui bagage légalité et qui bagage légitimité. Donc ensemble bagage ça, vite fait de monde croit que c'est une possibilité que le gouvernement a essayé faire pour être capable de jouer sous conscience et émotion de monde dans la communauté internationale là. Pour dire bon, même si monsieur illégal, même si monsieur illégitime, eh bien, et n'a pas obligé ou est comment capable de faire ça, parce que peuple haïtien, n'a tout le monde dans la difficulté. Donc, c'est ensemble réflexion ça qui a été fait dans plusieurs coins dans le pays, hein. Bon, c'est qui censé, parce que, oui, groupe armé est capable de prendre pouvoir, même bien ça a été fait en 94 au Rwanda, mais de l'autre côté tout, il est capable, c'est des alliés gouvernement qui travaillent pour créer sensation, pour créer événement et pour joindre moyen pour justifier avec international là que même si papa gagne et l'égalité et légitimité pour force la vie mais dans cadre humanitaire ah mais à nous voir comment nous capable permettre que force la vie parce que il y a un pile monde qui mouri. Alors regardez bien nous voilà bon exemple attaque qui fait un groupe armé jeudi a regardez qui côté l'attaque pour l'attaque l'école l'attaque l'aéroport. Il y a pas qu'un ensemble de espace qui pour permettre que un meilleur joueur sur opinion et pour montrer que bagarre la bagarre est comme ça. Donc moi-même moi pensais que et pour moi cap permettre que auditoire la comprenne ça la dire bien. Premièrement, groupe armé capable de faire bataille pour pouvoir et ça fait fait au Rwanda, mais parallèlement tout nous pas capable empêcher opinion qui fait quoi que gouvernement gain bras dans ça, c'est une façon pour capable justifier et faciliter arriver force internationale plus rapide malgré questionnement qu'a fait sous légitimité et légalité gouvernement qu'a engagé pays. En avance les Ivénès. C'est Liska, on va se cocher position encore plus bien pour moi pour soit casoir type bien au téléphone parce que monsieur je ne sont plus clair plus audible que ça. OK bon, j'ai ça pour moi. En avance les yeux. Très bien, c'est Liska. Où est-ce donc regarder pendant on va parler là pour montrer et soit Genoa c'est un jouet du gouvernement et la communauté internationale spécialement Nations Unies qui a joué mi fig mi raisin et tantôt il a mobilisé pour force étrangère à venir qui c'est une force multinationale non onusienne et je dis à nous quand améyo yo gen yon l'autre mode d'opératoire est-ce que vous pas penser comportement que gang yo affiché dans journée qui se passe là capable affecter nous mêmes comme acteurs qui dans la rien soit communauté internationale là ou bien pouvoir caractériser c'est nous mêmes qui servi avec bandi armé pour attaquer l'aéroport en région sud là qui attaquer commissariat qui attaquer université qui attaquer l'école qui t'a fonctionné nous pas craindre ça bon
Et m'pa kwè que ça pral gen sens. C'est vrai que capable d'utiliser Armada, Armada de pression pour ta faire ça, mais il pas bien trop importance parce que je dis là n'a parlé de l'opposition, n'a parlé de Professeur Céline Kabouché de Livance, n'a parlé de Moïse Jean-Charles, n'a parlé de Bernard Winder, n'a parlé d'un ensemble de jeunes qui décidaient et braver danger pour prendre la rue et qui croient que c'est dans mobilisation, c'est dans manifestation des rues, c'est dans mouvement devant ambassadeur qui cap permettre que nous conscientiser la communauté internationale, faire comprendre sa capacité là, faire comprendre la participation application gouvernement dans sa capacité là et pour arriver mettre gouvernement deux gouvernements à paix. Donc je dis avec un espace côté que des sanctions sont pas qu'être l'autre nèg qui décon prendre engagement avec une situation côté que bon paquet de monde qui gagne moyen dans secteur privé a qui peut m'pa croire que yo ka parler de question gang parce que pour nèg ou mettre groupe armé au dehors faut gagne l'argent complet hein faut gagne moyen et c'est pas bagaille de goudin comme quoi sous parole yo va sortir pour ou. Non groupe armé yo sorti sous gros millions sous des centaines de millions de gouttes sorti et là m'pa ka gon grand nèg là qui c'est Moïse Jean-Charles qui c'est Chimé de Livrance à travers Bosse Céliska qui c'est table concertation qui était ancien député et Saint-Jean-Louis, qui sont pas qu'être l'être qui dans mobilisation. On pas croire que y a qu'à joindre des centaines de millions de gouttes ou bien de dollars pour faciliter des groupes armés sortis dans la rue et pour, comme dit, pour questionner, pour rendre peur à gouvernement. On pas croire ça. Et même si on t'a dit, ça va pas qu'un parce que tout le monde connaît que, ensemble de monde qui constitue l'opposition, je dis, c'est le monde qui est décidé que c'est par la parole que y a arrivé convaincre toute l'opinion publique nationale et internationale pour être capable et sensibiliser, engager sur sa capacité en Haïti pour arriver à mettre le gouvernement ça hors d'état de nuit. Très bien, porte-parole, c'est révolutionnaire Genève en famille et alliés, vivent ensemble, ancien policier rebellé, en pile Mounouel comme chef gang, nous voulons parler de Jimmy Cherizier alias Barbecue, qu'ils sont Genève en famille et alliés, c'était Youn Nan, diplomate représentant. Et Nations Unies, Hélène Laline, qui était pratiquement créé recrutement ça en dedans pays, des dictats facilités qui ont une plus bonne communication. Et nous avons un frère dans le gouvernement qui servit avec Genève en famille et alliés, surtout dans la question problème gaz qui était en dedans pays. Nous pensons que la bataille qu'on a fait, les communautés internationales, là, qu'on est tout ça, ils ont encadré Ariel Henry dans tout niveau. Et quand ils semblent Haïti pas fabriquer des armes, ils pas fabriquer des munitions, Il y a toujours des armes, il y a toujours des munitions pour y théoriser la population. Modèle bataille qu'on a fait devant l'ambassade pour demander la communauté internationale là pour désolidariser avec le gouvernement. Vous pensez que son bagage n'est pas facile? Oh, mon cher, oui, très bien, c'est normal. Nous ne connaissons pas que la facile, mais nous connaissons la pote résultat, puisque nous croyons que la défaite du droit reste et demeure éphémère. Dans la bataille démocratique, c'est par la parole, c'est par l'opinion publique. Je dis, hein, gouvernement a assez de moyens à mettre pour faire lobbying international, pour faire un ensemble de bagailles, pour permettre que la communauté internationale la penche en faveur. Yo. Mais dans sa nuit, là, je dis, c'est que n'a privé convaincre la communauté internationale et montrer le vrai maladie. Puisque je dis, hein, ouais, et malgré et le premier ministre d'Antigua et Barbuda, t'es montré que maladie, c'est Ariel Henry. Malgré et Philippe Davis, le premier ministre des Bahamas, il t'a montré que finalement, il y a un problème bon côté gouvernement vraiment qui est amendé pour que yo baille talon yo. Mais ça va empêcher que non et moment que yo va signer accord et CARICOM non, ouais c'est le secrétaire d'État américain qui débarque en personne et c'est lui-même qui chita dans mi-temps table comme si c'est lui qui te met événement. Et c'est lui-même qui a passé l'ordre qui vous dit que Ariel Henry là pour et 2026. Et moi-même, je pense que nous pensons au niveau chemin de l'Université d'Haïti, pour ça, il fait là, hier, là. Et c'est possibilité que, il y a monsieur pour que l'Elvin, il a quand même publié à Kokari comme dans les moniteurs. Donc, c'est ça, nous, qu'on a habitué fait. Mais la seule chose, nous, était quoi que, bataille, peut pas ici, pas gagner. Hein. C'est bataille, il pas lancé, hein. Donc, c'est dans ce sens que fait que, nous-mêmes, nous, quoi que, Kembe monsieur matin, Kembe l'après-midi, n'a privé convaincre le monde entier et c'est ça que nous demandons à toute diaspora yo pour prendre note de ça et administration démocrate l'a fait, de ça les Clinton Biden fait en Haïti.